Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour l'Alphabet Challenge. J pour jungle. Donc, jungle, c'est celui qui est ressorti vraiment le plus. J'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Écoutez, on va y aller tout de suite. Donc, j'ai fait mon teint, j'ai pas mis d'highlighter et j'ai pas fait mes sourcils. Parce que voilà. Donc je me rapproche un petit ch'touille et on attaque. Donc je suis en mode momole. Hein, si jamais vous suivez mes vlogs, j'arriverai pas à me remettre du mariage de mon beau-frère avant au moins 6 mois. Donc je vais fatiguer pendant 6 mois. Voilà. Je regarde mon teint parce que j'ai utilisé un fond de teint qui me paraissait un peu foncé. Mais finalement ça a l'air d'aller. Je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Alors, je vais d'abord prendre un crayon blanc pour faire mes esquisses. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, je vous le concède, mais voilà. Donc, je vais prendre une natte souple. C'est plus facile. Et, non, je vais partir plus du coin externe. Ok, et je reviens comme ça. Voilà, là ça me paraît pas mal comme forme. Pareil de l'autre côté, logique. Faut juste trouver que ce soit symétrique. Ça m'a l'air pas mal. Allez, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je schnouf? Elle schnouf. Elle schnouf, je sais pas quoi. La boîte à perruque. Logique. Voilà. Je pense que là, c'est pas trop bon. Je vais commencer avec un pinceau plat. Je prends la Carnival Antidote puisqu'il me faut des marronniers. Et je vais commencer avec le faune. On est dans le thème. Donc j'ai pas mis de base. Parce que j'avais la flemme. Donc je mets ça sur la partie interne de ma paupière. En ratine interne. J'ai pas pris d'essuie pour essuyer mon pinceau. Et ensuite, je vais prendre le chestnut, qui est le marron le plus foncé, pour mettre à la suite. Et bien sûr, je dégrade. Voilà pour le chestnut. Donc, je prends un pinceau plat fluffy pour dégrader mon creux. Et ma transition. Oui, je suis momole, hein, mais je suis épuisée, les gens. On n'a plus l'âge hein, pour tout ça. Je suppose que je suis pas la seule à mettre du temps à me remettre d'une soirée. Alors, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus beige, là. Je vais mettre le stone par-dessus. C'est le stone que j'aurais dû prendre dès le départ. Donc, je vais le remettre par-dessus. Ah oui, voilà. C'est plus la couleur que je voulais. Alors, en coin interne, je réflecte. Je vais mettre le... Je vais pas dire. Et je vais également en mettre un peu ici. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais pas prendre un biseautier, mais je vais prendre ce genre-là, là, vraiment tout plat. Je reprends le stone. Et je fais ma forme ici. Donc, sans base, ça va être
long. J'essaie de bien couvrir le trait blanc. Je vais reprendre un tout petit peu du faune pour marquer un peu plus le trait. Ouais, le trait. Je reprends mon pinceau plat et je reprends la teinte Stone et je remplis ma forme. Ok, écoutez, on est pas mal. Alors, je vais prendre un petit pinceau, un tout petit pinceau crayon comme ça. Je reprends le chestnut et je fais des taches. Je pense que là, vous avez compris où j'allais. On serait même sur un make-up girafe, hein. Ça fonctionne aussi. Donc voilà pour ça. Je vais prendre mon miroir à main et du coup je vais prendre le liner NYX. Ah, j'ai des pinceaux sales dans mon pot. Il est là le NYX normalement. Ce sera plus facile que de tremper à chaque fois. Et je vais donc faire le tour de mes taches. Pas droite et pas entière, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je vois. Vous voyez, je suppose. Si vous regardez la vidéo, forcément, vous voyez. Ok, et je vais faire un trait de liner, mais je m'arrête au trait. Donc je vais mettre du crayon orange ou beige, je sais pas, je vais voir. Rouge à lèvres vert pour aller avec le thème, donc c'est le Karma de chez Jeffree Star. Accessoires, je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Donc voilà le look final pour Jungle Jungle. J'adore. Dès que j'ai vu Jungle, je savais les accessoires. Et le make-up est venu par après. Donc voilà. Ensuite, ça sera kaki. Donc je serai encore dans le vert. Hein, mais c'est pas grave. C'est pas du tout le même projet. Donc bah écoutez. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous plaît. Voilà, si je suis dans le thème. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je vais enlever mes branchages parce que. Enfin, mes feuillages parce que. Ça gratte. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a plu, ça j'ai déjà dit. Donc, il ne reste plus qu'à vous mettre le pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.